Acclame-le, acclame-le. Il est digne d'honneur. Il est digne d'honneur. Dieu, tu es bon. Merci parce que au bateli biso. Merci parce que tu nous as préservés. En ce mois passé. Par ta grâce aujourd'hui. Par ta miséricorde. Par ta bonté. Nous sommes dans le nouveau mois. Tu es un Dieu bon. Nombreux ont débuté ce mois avec nous, mais ne sont plus. Mais nous sommes reconnaissants. Et nous nous sommes reconnaissants. Au bateli biso. Tu nous as protégés. Nous nous tenons aujourd'hui. La première heure, il y a 100 ans, il y a septembre. Durant les premières heures de ce mois de septembre. Dans ta présence. Kati Abozalisia Mineo. En tant que mon sacoli. Je me tiens comme prophète. En tant qu'oracle. En tant que ton oracle. Et a déclaré. Je déclare. Notre moi ici est béni. Sans la biso et pambolami. Et la sans la bénédiction na vie na yo. Amen. Et la sans la bonheur pour na yo. Amen. Et la sans la changement positif. Amen. Et la sans la esengo pour na yo. Na kombo na Yesu Masia. Papa, tu y es parce que au lobby na makomi. Nous sommes venus car tu as dit dans ta parole. Et nous connaissons ces gens ma toi ya koyoka. Que toute chose peut écouter. Banzete bayoka. Les arbres écoutent. Ba mambanga bayoka. Les pierres écoutent. Ba montagne bayoka. Les montagnes écoutent. Et balé ayoka. Le fleuve écoute. Et nous connaissons ces yoka. Toute chose écoute. Voilà pourquoi nous sommes venus ce matin. Parler à ce mois de septembre. Merci pour cette bénédiction ce matin. Matondo pona lipamboli ona sombo. Puisse cette parole. Et là ta destinée à bana na yo. Revêtir la destinée de ton peuple. En ce mois. Tika tes paroles oyo. Puisse cette parole. Et là ta vie à chacun. Revêtir la vie à chacun. Et là ta vie à chacun. Le corps de chacun. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci papa. Matondo tata. Kombo na Yesu to sambele. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Toko kikovanda. Betila Yesu makoko. Acclamons Jésus. Na pamboli zambe pona yo. Et je te félicite. Kozala na présence ya zambe na tongo alelo. Être à la présence de Dieu ce matin. Il y a que des bébés spirituels. De akoko vanda ndako. Mais je suis là. Tu as la parole prophétique. Parce que nazana révélation. J'avais cette révélation là. Zambe a dit Job. Dieu a dit à Job. Depuis que tu existes. Utayo zali. As-tu déjà commandé au matin? Yo si on peut s'attendre à yo mitindo. Quelle parole? Du lobanini. Maintenant, au vent d'un anakwe, ils aiment la monter. Et rester à la maison, ce n'est pas bon. Surtout au lobby aux serviteurs. Surtout que tu es un serviteur. Non, aux serviteurs. Non, tu n'es pas encore serviteur. Après, il m'a conseillé quoi? Azan anakwe. Au bi o, au kozalate. Ok, de toute la façon, azan a besoin pour na yo. So azan obligé à balakwe. Oh, azan chef du département. C'est. Et la question est tab. Est-ce que ma commandée au courant? Non. Jamais. Vous avez besoin d'abandonner la route. Alléluia. Je te félicite. Yo, oyoza, wana tongo alléluia. Amen. Et n'a déclaré parole prophétique. Oyezo, la tanzoto na vina. Amen. Na kombo na Yesu Masih. Amen. Alléluia. Amen. Praise the name of Jesus. Alléluia. Nalingi. J'aimerais. Que nous ouvrions nos Bibles dans Matthieu chapitre 15. Nous allons lire l'évangile selon Matthieu. Matthieu chapitre 15,
À partir du verset 13, version Darby. Mais lui répondant dit, toute plante que mon Père céleste n'a pas plantée sera déracinée. Sera comment? Déracinée. Sera comment? Déracinée. Sera comment? Déracinée. Moi j'ai déjà commencé depuis 1h30. Et quand j'ai fini, j'ai envoyé les paroles, la parole prophétique à tous les missionnaires. Ainsi que l'exhortation de ce matin. J'ai déjà prié pour toi. Cette nuit, j'ai prié pour toi. Si tu connectes ton esprit et ta foi, je viens te dire que tu vivras le Boko Yazan. Tu vivras la main de Dieu. Écoutez ce que Christ a dit. Verset 13. Version Lingala Lelo. Yesu a son ici. Nzete nyonso oyo tata na ngai ya likolo ya konite bako pikola yango. Bakosala nini? Bako pikola yango. Bakosala nini? Bako pikola yango. C'est pour dire Yesu li azoloba mutu musute. C'est-à-dire il y a des plantes, il y a des semences. Banzete bazali oyo ya zambete. Yeti aloni na vie na yo. Batu moko nde baloni. Ennemi songolo nde aloni. Alobi biloko wana. Il faut sala nini? Epikwama. Amen. Soki epikwami te ekobana ko affecté. Amen. Et loko yoso ezo affecté destiné na yo. Na déclaré epikwami na sanza oyo. Amen. Amen na yo se pelisi ka te. Amen. Version parole de vie. Jésus leur répond, toute plante que mon Père qui est au ciel n'a pas semé, on les arrachera. On les arrachera. Quoi arracher? Quoi arracher? Au picola. Parce qu'aussi longtemps qu'ils ont arraché, aussi longtemps que ce n'est pas arraché, et qu'on a tout le monde, cela va te tourner. Ils ont bébé ça. Cela va détruire. Et l'on peut bébé ça. Ce qui détruit, il ne faut pas arracher. On doit l'arracher. Ce matin, et l'on peut bébé ça, il n'y a pas là, ils ont arraché. Et l'on peut bébé ça, ils ont arraché. Et l'on peut stagner, ils ont arraché. Et l'on peut bloquer la vie, ils ont arraché. Dans le combo de Yesu Mashiach. Marche au bras des gabadabana. Amen. Version Lingala mon nouveau. Ye a songi siete. Nzete nyoso. Oyo tata nanga alonite na septembre 2020 oyo. Eko pikolama. Eko pikolama. Bete la Yesu maboko makasi. Yoka. Écoute, na ye na tonga lelo na onction ya déracinage. Amen. Et loko yoso e kwa affecté testé na yo na sazo yo na déclaré et puis kwa mi na kombo na Yesu. Eko sa nini? Maintenant, toke le na Matthieu 13, 27, kumo na makamu Yesu ye mokwa lobe. A propos de ça. Parce que ayebi yoso. Il sait tout. Matthieu chapitre 13, verset 27. 25. Verset 25. Oui. Je commence verset 24, papa. Il leur proposa une autre parabole, disant, le royaume des cieux a été fait semblable à un homme qui semait de la bonne semence dans son champ. Ouais. 25. Mais pendant que les hommes dormaient, son ennemi vint et yoka son ennemi. Son mutuda mutuazana. Ennemi na ye. Amen. Son ennemi vient. Et s'est mal livré parmi les froments et s'en alla. Alléluia. Son ennemi vient, s'est mal livré parmi les froments et s'en alla. Voici en français courant à l'obé. Il nouait pendant que tout le monde dormait, un ennemi de cet homme. Vient semer de la mauvaise herbe parmi les blés. Et ça n'a là. Un
ennemi de cet homme vient semer de la mauvaise herbe parmi les blés et ça n'a pas. Yoka, nasazo yo. Ennemi yo sou ya destin na yo. Na picoli ye na kombo na yes. Na terrasine ye na kombo na yes. Paul qui a parlé, c'est pas Pierre qui a parlé, c'est Jésus lui-même qui a parlé. Et ça pète l'oté, Paul l'oté, Yesu yemo konde à l'obi. Il y a l'obi son ennemi, c'est-à-dire moutouna moutouna zan ennemi. Chacun a son ennemi. Nous partager un témoignage, mon corps. Partager un témoignage. Moutou oyo azar, proche na yo, abaluka contre yo. Quelqu'un qui est proche de toi, se tourner contre toi. Tu peux piquer Christ. Roi Kokoya. Alléluia. Amen. Chacun a son ennemi. Zala gentil, zala monsieur et madame malamu. Osala kabolamu, okozala kakala. Mutu ayini okaka boye. Ezaye te Satan a côté ni alingi konsentir yote. Même si tu es la référence de la bonté incarnée elle-même, tu auras des ennemis, des personnes utilisées par des diables qui te haïent comme cela. Même parmi nous, nous avons moins d'amis, disons, azo tatu la yosma, mais azo linga chute ya mulinga, azo salatu na koko isayo. Est-ce que c'est normal? Ça c'est diabolique et satanique. Oui, ça makamboya satanisé ba nzambete. Pas tout le monde qui m'aime. Zamu tunyo stenda linga rangai. Il y a des gens ici. Ils en abattent à Azul Kachut Nayo. Azul Kachut Nayo. Qui cherche ta chute. Qui pour rien du monde. Kakapona est l'autre côté. Osani est l'autre côté. Tu ne l'as rien fait de mal. Nasambeli. Je prie. Benimi Nayo. Nasambeli. Bakola la bongi. Bakola mukali suste. Nalobi bakola la bongi. Alibela bakola mukali suste. Amen. Moutouyo soit tellement mis à tes ennemis à destin Nayo. Alla la bongi. Alibela. Amen. Olobika l'évangile, c'est ça l'évangile. Sanguela Muyangoana. Hérode a lali pongi alibela pona Yesu Masia. Hérode mourut pour Christ. Aman a lali pongi alibela pona Madoché. Aman mourut pour Madoché. Pharaon n'a pas été n'a pas collaborateur. Balali pongi alibela à cause de Moïse et pas d'Israël. Pharaon est sa sakoli alimina yo ala la pongi alibela. Oiseau comploté mal contre yo. Allah la bongi ali bela. Yes. Ashopa kata bataka. Ika bataka bayate. Hallelujah. Hallelujah. Et Shobrodi. Tout ce qui se passe dans ce monde aujourd'hui. Nyoso se mana mokini lelo. Ils ont fonction y a ba ennemi. C'est fonction des ennemis. Ba ennemi. Les ennemis. La race de vipères. La race de vipères. Troubler le monde. Mais chaos dans le monde. Ce sont les travaux des ennemis. Mais le roi des rois est en train de rigoler là où il est. Il rigole. Il rigole. Parce qu'il connaît leur fin. Amen. Amen. On ne combat pas le créateur. On ne combat pas le créateur. On ne combat pas le créateur. Version lingala lelo verset 25. Yes. Mokolo moko na butu tango batonyo so bazalaki na pongi monguna ya moto wana ayei akoni matiti ya mabena elanga bongo akei. L'ennemi de cet homme-là, pas un autre. Et la nuit, durant le sommeil, c'est un temps où on sème des mauvaises semences. La plupart des choses qui nous arrivent de mal dans la journée a été programmée dans la nuit. Makambo minya mabezo comme la batona moi, eza makambo elenge la mina botu. Na yena epakolami ya terrasinage na tongwa lelo. Amen. Yoso enemi munguna aloni na vina yo. Ate utiko banda tango obotama na tongwa lelo pour vivre parole, accomplissement de ces paroles prophétiques de ces mois. Eza terrasine. Eza terrasine. Eza terrasine. Na kombo na Yesu.
Amen. J'aime Jésus. Nalingi Yesu. Alléluia. On a clôturé pour Makamboze Bele. Déraciner quelque chose, c'est pour découper ou ramassage de quelque chose de sa racine. La racine, c'est la base de quelque chose. Quand tu vois des choses mal, les choses ne marchent pas. Bien aimé, je vais vous dire sans vous mentir, il y a un racine. Et ça doit être coupé. Les relations sont bafouées contre eux. Toutes ces relations qui se retournent contre toi. Un homme vient, il part. Au Bali, divorce. Tu te maries et tu divorces. Il est basse. Ezana moboko. Il est mauvaise passe. Ezana moboko moko ya mabe. Il est racine. Ezana mosisa. Otangi oza mayele me musalate. Racine ezali. Tu as fait des études, tu as des qualifications mais sans emploi. Il y a une maladie toute. Racine ezali. Il y a une racine. Kokota na banyongo ezali tina. Tondete racine ezali. Il y a des racines. Amen. Ce qu'on voit l'extérieurement est déterminé par ce qui est caché intérieurement. Oyo mokili ezomona na misu etalisa makande par rapport ya oyo ezana se na mabele. Écoute-moi. Yo kangai. Un caractéristique de racine. Lo lenge moko ya mosisa. Un, ils sont toujours cachés. Bazaraka ka yobatama. L'œil ne voit pas. Misu ya motemona kangote. Amen. Donc, ya mibale. Deuxième caractéristique des racines, ils sont toujours dans la profondeur. Voilà pourquoi c'est dangereux. Troisième caractéristique des racines, ils sont des fondations, des bases. Et quatrième caractéristique des racines, ils sont des forces, des piliers qui tiennent ou soutiennent ce qu'on voit à l'extérieur. Bazalinde balikondi oyezo simba makambo tozo mona na miso. Okoyoka ngona matea mkolo. Amen. Et na pesi une synthèse. Je vous ai donné la synthèse. Quand tu vois un ça ne va pas oyé. Donc zo mona makambo zo simba te na bomo inayo na se. Luka na se. Na kuku. Timola na kuku. Il y a quelque chose. Mosisa moko ezawana. Quelque chose wana ela kelami mabena vina yo. Ela kelami mabena yo. Ela kelami mabena vina yo. Amen. Yesu alobi ça doit être. Yesu alobi yango esengeli epikolama. Luc 17 na sisawana. Luc chapitre 17. Mashubra de gebede. Yes. Luc 17. Luc chapitre 17, verset 6, verset 6, oui. Version Darby. Oui. Et le Seigneur dit, si vous avez de la foi comme un grain de moutarde, si vous avez de la foi, si vous avez de la foi comme un grain de moutarde, oui, vous diriez à ces mûriers, déracine-toi et plante-toi dans la mer. Et il vous obéirait. Si vous avez la foi comme un grand grain de moutarde, vous allez dire à cette montagne, à cet arbre, yes, déracine-toi et plonge-toi dans la mer. Ça va dans la mer, yes, et ça va vous obéir. Yes. Vous êtes prêts à consommer la nourriture? Est-ce que tu es prêt à prier ce matin? Alors, bien qu'on l'oublie là, déracine-toi. Et va te planter dans la mer et il vous obéira. Selon version français courant. Le Seigneur répondit, si vous avez de la foi gros comme une graine de moutarde, vous pourrez dire à cet arbre, c'est mourir, déracine-toi et va te planter dans la mer et il vous obéira. Il vous obéira. C'est pour dire, dans le contexte que nous parlons, un moyen de déracinage. Ça vient par
par ta déclaration. Est-ce que tu es prête? Est-ce que bongi? À déclarer ce matin. Amen. Bien-aimé. Nazo annonce parole prophétique de cette mois. J'annonce la parole prophétique de ce mois. Matin ozo yokoyo. Le message que tu entends textuellement et que na extension yonso est parti vers toutes les extensions. Na yekoyo sa. Je viens te dire, en ce mois, Dieu m'a envoyé. Je viens avec l'onction. Yes. Amen. En ce mois, j'ai entendu clairement sa voix. Clairement. J'ai clairement entendu la voix de Yahweh. Na yena onction. Je viens avec l'onction. Ya déracinage. Ya kopiko. Et na déclaré. Je déclare. Que cette mois de septembre. Est un autre mois de déracinage. Et ça, ça veut dire que l'occasion se ligue avancement na yote. Et ça déraciné. Et ça déraciné. Na combo na Yesu. J'aimerais que tu lèves ta voix. Si tu dis à cet arbre, tu dis à cet arbre, sans douter, déracine-toi, picola, va dans la mer, j'aimerais que tu pries, selon la parole prophétique de cette selon la parole prophétique, toutes choses, et avancement dans je ne pas mon avancement, je leur donne, ça la déraciné, soit déraciné. Il y a des choses qui doivent être déracinées pour que certaines choses avancent. Tu veux bâtir une maison, soit on doit déboiser, on doit creuser pour laisser le passage à des belles choses. Par cette onction ce matin, que yoso, tout qui empêche ta destinée est détruit dans Zela et Pakola. Papa n'a pas voulu ma photo, n'a sanctifié. Père, je sanctifie ça. Déclaré les bénis. Je déclare les bénis. Comment m'a voulu ma tel qu'il est écrit. L'onction détruit tous les jours. Et Pakola me pente sa camion. Je déclare que c'est et onction détruit yoso. Puisse détruire tout. Et ça, c'est mas ma bée. Qui n'est pas de Dieu. Na vie, na biso. Dans nos vies. Et ça l'a déraciné. Il soit déraciné. Na combo na Yesu. In the name of Jesus. La mukongo na yo ozo samela toujours denge service ozo leka. Cause la distrait. Ne sois pas distrait. Gloire à Jésus-Christ. Mais kalaba zo proko toro boro boro so toro bo shika na bara bara. Te braga zon to braga. E kalaba ya gana 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 gana. E kalaba ya gazo bro do boro 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 so toro bo shika na bara bara. Ibra la baya gaza kaka na bara bara bara. Ma bro gozo zo proko toro boro boro so toro boro boro bo shika na bara bara. Ibra ga baya gazi gana 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 gana. Ibra la baya gaza. Nous allons continuer à prier. Pendant que l'onction d'huile continue à passer, les Écritures disent, si quelqu'un est malade, ceux qui m'ont tozobé là, ils appellent les anciens, va oindre onction d'huile, qu'ils puissent loindre d'huile. Et le Seigneur le verra. Maladie, quelle que soit la maladie, quelle que cette onction d'huile passe, et la maladie spirituelle, que ce soit une maladie spirituelle, et la maladie physique, une maladie physique, et la maladie émotionnelle, une maladie émotionnelle, nous sommes bengami mal. Tout ce qui a plein mal. À cause de cette onction. Bonne époque, le Seigneur a déraciné à vous. Goloazo picola. Dans ce sens, la 2 Chroniques 6, 15. Nous allons. Sont toujours dans cette atmosphère. Dans et Jesus, c'est toujours le sujet de prière. 2 Chroniques 6, 15. 2 Chroniques, chapitre 6, verset 15. Totangi na kombo na Yesu. Ainsi tu as tenu parole à ton serviteur David, mon père. Ainsi tu as tenu parole à ton serviteur Daïo Samuel, mon père. Et ce que tu as déclaré de ta bouche, tu l'as accompli en ces jours par
ta puissance. Alléluia. Amen. Ce que tu as déclaré par ta bouche. Oyo tatoli na monoko na yo. Alobi en ce jour. Na mokolo ya lelo. Alobi. L'obité, ce ne sera pas reporté. Et qu'on en jour, ta puissance, à l'accomplir. Nous allons prier. Tu seras révolté. Ce qu'il a dit par la bouche de son serviteur, par sa puissance, et qu'on accomplir. Tu vas dire à Dieu, parole prophétique, que cette parole prophétique, sorti de la bouche de son serviteur. Que tout soit déraciné. Tu vas dire à Dieu, je ne vais pas attendre demain. Parce que tu m'as fait grâce d'être aujourd'hui. En ce jour, par ta puissance, déclenche ta puissance. Tout ce qui est du diable, tombe la mongongo bandako sambela. Et que zobrongo zobaga yagataga. Père, tu as dit, c'est que tu as parlé par la bouche de ton serviteur. En ce jour, par ta puissance, il l'a accompli. Il a été dit, c'est notre moi, le déracinage. Tout ce qui n'est pas à toi, tout ce qui ne confesse pas ta seigneurie, je n'entends pas demain. Parce que la télé, je me tiens sous cette grâce. Tout ce qui n'est pas à toi soit déraciné. Que le sache ou non, tout ce qui te donne pas gloire, rabo chante gede rekazon so bragada zika tekelebo chante gede prakazuka tekelebo guya molimo santu ezo localiser situation wana lelo ezo lobite lelo ezo zala deracine masuta braga chante rekazon son so proche parol nyo so amer parol nyo so amer. Prononcé contre toi par les caracas des diables. Parole nyo so amen. Ouais, prononcé contre toi par des enveloppes diaboliques. C'est mon soin na ya parole. C'est mon soin. Et sont à la déguerpisser. Et déguerpir. Par la puissance du Saint-Esprit. Ma chaque aide. Sokoto Maya. Son bras l'accomplit. Son bras accompli. Et il a été dit sur toi. Ce matin, son bras l'accomplit. Ta puissance l'accomplit. Boka rakada. Soutekede. Roto tragachan. Des gros sons. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. In Jesus' name. Totikali na atmosphère ya prière. Toujours dans cette atmosphère de prière. Job 42:2. Nous allons lire dans le livre de Job. Job 42, verset 2. Job chapitre 42, verset 2. Nous lisons au nom de Jésus. Je reconnais que tu peux tout. Alléluia. Et que rien ne s'oppose à tes pensées. Alléluia. Job, il était affronté par des défis. Job, Azalaki Liboso et Tumba. Mais un jour, Mokolo. Dieu lui a donné la révélation. Zamba fungolie. Que Dieu peut tout faire. Zamba koki tsala. Et rien ne peut s'opposer à ses pensées. Et loko moko te koko tele mela yo. Ce matin, pensée en Zambe Zali. La pensée de Dieu est tout ce qui est du diable soit déraciné. Tu vas prier en étant révolté. Tel que Job avait la révélation, toi reçois cette révélation. Je reconnais que tu peux tout. Rien ne peut s'opposer à tes pensées. Parce que pensée na on a tongo ya lelo. Puisque ta pensée ce matin, parle le cadavre de ton serviteur. Tu m'as dit à moi que tout ce qui est du diable est déraciné. Papa, Père,
wana ye ne peut s'opposer Matthieu 13, 25, tu vas prier pour toi, pour cette commission. Lui second, mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de livrer parmi les blés et s'en alla. C'est quand l'ennemi vient s'aimer. Et ça n'est pas ce que tu as dit. Tu vas prier. Sommeil spirituel, dans ma vie. Dans cette commission. Parce que déjà, na outi ko déraciné. Puisque j'ai déjà déraciné. En ce mois de septembre. J'enlève tout sommeil spirituel. Je suis esprit de prière. Je prends l'esprit de prière. Que le Saint-Esprit me revêt de l'esprit de prière. Mon nom, ça que le Saint-Esprit me revêt de révélation. Sommeil spirituel. Dans ma vie. Na église locale dans mon église locale. Et dans la musique na santa. Sois loin du Saint-Esprit. Ça pour un réveil spirituel. Par l'autorité que Jésus m'a donnée. Sommeil spirituel sommeil spirituel Par la puissance du Saint-Esprit, nous décrétons un réveil spirituel. Par la puissance du Saint-Esprit, nous décrétons un réveil. Tout sommeil spirituel. Tout sommeil spirituel. Nous te chassons. Nous le chassons. Dans cette commission. Dans nos vies. Tout sommeil spirituel. Nous le chassons. Nous le chassons. Dans le nom de Jésus-Christ. Un réveil spirituel. Un réveil spirituel. Ayambi, esprit de prière. Je reçois l'esprit de prière. J'étends mes mains. L'esprit de prière est quitté la main. L'esprit de prière. Je reste sur l'autel de la prière. L'esprit de prière est quitté la main. L'esprit de prière est quitté la commission. Yes. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. In Jesus' name. Amen. Mets ta main juste devant toi. Bien-aimé. Si Jésus dit, écoute, quand les gens dorment dans la nuit,
kati ya est-ce qu'elle est dans la joue dans la journée dans la journée si tu es sage so que ça na bwania dans la nuit kati ya yezi ngonga nini ya kaka ko semer après bakayi qu'est-ce que tu devais faire yo pena tango wana salanini belisa moto salanini belisa moto amen belisa moto attise le feu tango ba ye kolona ba moni yo za ya ko telema attention belisa moto oke kolala ba ko ya ko kuta moto de Dieu se peli amen tango ba kolona etumbia ngoba na moko e avale ngoba na moko e kozala na sans effet amen yango prier oyo eza mutu ya spirituel bola muki ya molimo parce que beaucoup sont morts spirituellement même pour na kosambela na butu eza problème mingi balali na lolenga molimo ata kosambela na butu eza likambo na sambeli na nzela ye pakola mioyo je prie que par cette et loko yo so ezo affaibli yo tout ce qui t'affaiblit eza la spirituel eza la physique eza la détruit ce matin eza déraciner ce matin eza la molimo ya saliba na lobe eza déraciné eza la molimo ya biaka eza déraciné eza la molimo ya sérité eza déraciné eza la molimo ya blocage eza déraciné nyonso eza semence mabe oyo ezo empêche destiné na yo quelque part qui empêche ta destiné quelque part na zela ya service ya tongo alelu par le service de ce matin na sanza oyo en ce mois na décrété déracinage total Amen. Na lobi na décrété déracinage total. Na picoli matiti yo so mabe. Ipakola mioyo ebebisa. Amen. Je décrète un déracinement total en ce mois-ci. Me kalabasha kegede. Esu za bade kedi gabuda gada gayataba. Yes. Me so pala kato yoto bosika pala kataya. Mais so padeke nika polika palata. Yes, Lord. Et pas que la miwana na maboko na yo. Cette onction sur ta main. Na komisi ango moto ya molimo mosa. Je fais d'elle le feu du Saint-Esprit. Pour tumba racine, il faut moto. Pour consumer la racine, il faut un feu. Moto ne et tumbaka. C'est le feu qui consume. Na déclaré na tonga lelo. Je déclare ce matin. Moto ipakola mi oyo. Que le feu de cette onction. Et tumbarasi yo so mabe na vie na yo. Puisque on s'y met toute mauvaise racine dans ta vie. Eza la barasi ya faiblesse. Que soit la faiblesse. Eza la racine ya faiblesse. Ya nzoto. Ya prière. Eza déraciné au nom de Jésus. Amen. Yosu. Tout. Ezo constitué. Constitue racine ma bé une racine négative ou un ennemi à l'oni na vina yo ou mon guna coli na vina na zela ya epakola mi oyo par cette onction na bébé si na kombo na yes amen au simba kaboko tu touches l'argent oui au sala ke loka malongana mais tu fais rien de bon et bébé kaka kap tout tu gaspilles inutile racine wana ces racines détruit. Sont détruites Ozawana, tu es là. Oluki libala, osu libala, mais moi na zoyate. Na lobi racine wana, et ça détruit. Ozawana, baya tanto, bakende, bazoya, bazokende, balakakio, ezo simate. Racine yosu derrière, na lobi et ça détruit. Toute racine satanique, ezala ya maladie, ezala ya oppression. Eza la ya koshema. Eza detruit na tongo alelo. Amen. Na sanza oyo. En ce mois. Ipakola mi oyo. Cette onction. Na active yango. Je l'active. Denge ba activa ka ba réseau ya communication. Dès qu'on active. Denge ba activa ka ba sim. Dès qu'on active les. Na komisi ipakola mi oyo. Je fais de cette onction. Sim ya molimo na nzoto na yo. La sim spirituelle. Na activé onction ya déracinage. On l'amouki ezo déraciné. On bimi ezo déraciné. On zo tambola ezo déraciné.
Ozo lala ezo deraciné. Nalobi ezo deraciné. Nalobi ezo deraciné. O baluki à gauche ezo deraciné. À droite ezo deraciné. Liboso ezo deraciné. Sima ezo deraciné. Deraciné! Cette onction est bénie. Et pas que la mieux est pas mbola. Tiens, enfant, n'ayo banako samela. Comment ça prie? Tu le mets sur ton front. Tombo la mgongo na yo zo sakola. Bandako sakola ma shaba da 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 ba. Rezo kotoro yo. Ede de 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 de. Ede de 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 de. Esu bakanyata. Yusu eligi bola munangaite. Na terasini ango. Se mas yusu mabe. Na desine nangai. Eza terasini. Eka tuba kashada. Se mas yusu ya distraction. Se mas yusu ya tege ya tege. Ove eligi bola munangaite. Na terasini yo se mate. Na terasini yo na sanza yo. Na terasini yo na sanza yo. Eka tuba kashada. Bashaka tege tege. Se mas yusu baloni. Dans ma destinée. Et dans la courte avant la botte. Et dans la taille de la botte, je suis né. Toutes ces masses qui n'est pas de Dieu. Toutes plantes qui n'est pas de Dieu. La déracinée. Au nom de Jésus. Et je suis Rabadagaya. Ayate Kebede. Et Kedekede. Abatoubat Kalabaya. Macheke. 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 O Baraka. O Baraka. Akayataya. In Jesus' name. Amen. Face cette grâce. Sans un aïe à septembre. Et pambolami. Et béni. Et pambolami. Et béni. Et ça dénommé sans aïe à terrassinage. Au nom de Jésus. Kende songana témoignage. Na combo na Yesu. Au nom de Jésus. Amen. Amen.